L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Cette histoire d'arbres et de fruits semble relativement simple. Les arbres correspondent aux fruits et l'on peut reconnaître l'un à partir de l'autre pour peu que l'on ait un peu d'expérience de ces réalités. Mais derrière cette image, apparemment simple, c'est bien une réalité assez subtile à laquelle Jésus nous appelle, celle du discernement. Derrière un arbre, apparemment bon, peut se cacher un fruit dangereux. Sous une cloison de brebis peut se cacher un loup vorace. Le discernement, plus qu'une science, c'est un art de vivre, une sagesse qui s'acquiert patiemment par l'expérience, la réflexion, la formation. Le discernement consiste à repérer la présence et l'action de Dieu dans l'enveloppe du quotidien. Le discernement permet de repérer les lieux où l'on peut engager son énergie et d'éviter les chemins dangereux. Demandons aujourd'hui cette grâce du discernement pour nous mettre dans la bonne direction à la suite de Jésus et de son évangile. Conduis-moi dans tes chemins, toi le berger de ma vie. Je ne manquerai de rien, car ton amour me conduit. Dans la vallée de la mort, tu demeures auprès de moi. Toute ma vie t'appartient, car mon espoir est en toi. J'étais séparé de toi, mais ta grâce a abondé, tu m'as libéré du mal. Que la joie de ton salut renouvelle mon esprit. Ta lumière est apparue, elle a dissipé la nuit. Alléluia!
Thank you.